بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم وحيثما وجدتم في لقاءات عارض ومعارض. نستضيف معنا الآنسة ياسمين قادوش المكلفة بالإعلام بجوميا ألجيري. مرحبا بك معنا ياسمين. مرحبا مدام. ياسمين، قبل ما نهضروا على جوميا نتحدثوا شوية على معرض الجزائر الدولي في الطبعة 48. وش رايها ياسمين في المعرض الدولي؟ Je pense que c'est une opportunité très importante que toute entreprise doit saisir. C'est un événement qui se passe une fois par an et toute entreprise qui veut se faire connaître, qui veut montrer ses produits, qui veut montrer qu'est-ce qu'elle vaut vraiment, doit vraiment participer à cette foire internationale. Yasmine, et de parler le produit algérien. Le produit algérien, moi je trouve que l'Algérie a une très grande opportunité, elle a une très grande capacité que les Algériens tous d'ailleurs, que tout Algérien doit saisir l'opportunité de faire découvrir, de nous faire avancer un peu, parce que les Algériens ils sont très, ils regardent trop la France, ils regardent trop, voilà, alors que nous, non, on a un potentiel, les Algériens ont un potentiel, les étudiants ont un potentiel de nous faire découvrir pas mal de choses. Notre produit, il est pas mal, il est vraiment pas mal, que ce soit de la nourriture ou de l'agroalimentaire ou bien de l'électroménager. Voilà, on avance vraiment sur un... Et pourquoi pas, peut-être ça va s'améliorer d'ici là. Inch'Allah, Yasmine. Et donc, Yasmine, explique-nous sur la Jumia Algérie. Jumia, c'est nouveau, c'est très nouveau. Ça fait 6 mois qu'on est en Algérie. C'est tout nouveau, c'est du e-commerce, c'est de la vente en ligne. Il y a des gens, par exemple, vous voulez acheter un produit, vous êtes fatigué, vous ne voulez pas sortir de la maison, faire du shopping, c'est fatigant. Facile, vous n'avez, notre site c'est dz.jumia.com. Vous rentrez, il y a pas mal de catégories, que ce soit des habits, la mode, que ce soit l'électroménager, le grand électroménager ou le petit, que ce soit les téléviseurs, tablettes, téléphones, bijoux, montres, maquillage, accessoires beauté, bref, on a pratiquement de tout. Tout ce que l'Algérien consomme, voilà, et c'est un prix abordable, vraiment abordable. Nos services sont exceptionnels. Par exemple, vous voulez commander, vous n'avez qu'à commander, appuyez sur un bouton, on vous appelle pour confirmer votre commande et on est sur les 41 wilayas. Par exemple, vous êtes de Skikda, de Sougaras, de Betna, de je ne sais où, on vient jusqu'à vous, on vous donne le produit, la livraison, le paiement se fait à domicile. Voilà, vous nous payez directement. المستهلك هنا ما راحش يخمم في انه راح يخلص عن طريق الانترنت ولا Exactement. Voilà. Le e-payment n'a pas encore avancé, peut-être il avancera d'ici l'année prochaine inchallah, mais d'ici là voilà, c'est facile, on part chez lui, le livreur part chez lui et il nous paye. Si le produit ne lui plaît pas, par exemple il veut acheter un t-shirt et la taille ne lui va pas, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il fait? Le retour est gratuit. D'ici 7 jours le retour est gratuit. Et on est sur les 41 wilaya. ياسمين جوميا في بدايتها تقولي 6 أشهر وقدرت تكون في 6 موا وقدرت تكون في 48 ولاية، يعني راهي إيكيب كبيرة راهي تخدم في جوميا الآن. Figurez-vous que non, on est 15 personnes. On est seulement, ils ont commencé, il y a Mohamed Touil, le directeur général, il a commencé tout seul, comme un grand, il a commencé tout seul, il était avec 2 ou 3 personnes. C'était vraiment petit, il a voulu vraiment faire avancer ça. Et voilà, maintenant on est 15, 6 mois après, on est 15 personnes, ça commence à s'évoluer doucement, petit à petit. Bon, sans compter les livreurs, parce que là je compte l'équipe, que ce soit marketing, vendeur manager, content, voilà. Service client aussi, parce que le service client pour appeler, pour confirmer la commande. On est une petite équipe, on se donne vraiment à fond parce qu'on veut vraiment que ça marche. Je ne sais pas si vous connaissez Amazon, Zalando, voilà, nous c'est notre but. À Jumia, notre but c'est que ça soit le Zalando africain. On est le 15e pays africain. Il y a Jumia Maroc, Jumia Égypte, Jumia Côte d'Ivoire, Sénégal, bref. Et j'en passe, et j'en passe. Maintenant, on essaye vraiment de conquérir l'Algérie. Et voilà, c'est un nouveau truc qui peut vraiment marcher. Qui va marcher, Inch'Allah. Inch'Allah. طيب ياسمين كيفاش شفتي ربما في هاد 6 أشهر كيفاش راهم المستهلكين الجزائريين المواطن الجزائري اسكو عنده اقبال على جوميا خاصه انه عندنا الثقافه هذه شويه قليله في الجزائر effectivement au début les gens sont un peu réticents, ils savent même pas que ça existe. D'ailleurs grâce à la foire internationale on a essayé de faire découvrir aux gens ça. La majorité nous disait ça existe en Algérie, ça existe, et oui ça existe.
Ça fait 6 mois. Au début, c'était compliqué. On devait les appeler. Voilà, ça existe. Voilà. À chaque appel, vous êtes sûr que vous allez nous livrer à la maison chez moi? Il n'y a pas de problème? On leur disait oui, il n'y a aucun problème. Au début, les gens sont un peu réticents. Mais au fil du temps, la première personne, quand elle est satisfaite de sa commande, elle revient automatiquement. ياسمين كيفاش شفتوا اقبال المواطن الجزائري ولا المستهلك الجزائري على جوميا؟ يعني كيفاش قدرتوا تقنعوا المواطن انه يتوجه لهذه التقنيه، خاصه انه يعني هذه الثقافه عندنا في الجزائر قليله شويه. Pour vous mentir, certes, le consommateur algérien est très réticent. Il se méfie un peu sur cette nouvelle technologie. On parle de ça, ok, on parle de ça à l'Europe et tout, mais chez nous, c'est un peu réticent, c'est nouveau, c'est un nouveau truc. Au début, certes, c'était les personnes appelées, est-ce que ça existe vraiment? Et tout, c'est vrai que c'était un peu, ils étaient un peu réticents. Bon, d'ailleurs, grâce à la foire internationale, on s'est vraiment fait connaître. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ça existe vraiment en Algérie? Est-ce que ça existe ce produit? Oui, on leur explique comment ça marche, comment ça fonctionne, comment ça se passe. Donc, au début, c'est vrai qu'il y avait un petit problème, il y avait un manque de confiance. Mais après le premier essai, le consommateur, on a remarqué qu'il revenait à chaque fois. Ça l'intéressait parce que c'est tout nouveau. Et voilà. Exactement. Et بالنسبة للمنتوجات اللي راهي نلقاوها في جوميا واللي نقدروا نطلبوها من عند جوميا الجيري، اسكو نقدروا نطلبوا كامل الماركات وكل شيء يعني الواحد يحتاجه في البيت ربما ولا في؟ Effectivement, vous trouvez de tout. Que ce soit les habits, que ce soit un téléviseur. Que ce soit des électroménagers, le petit ou le grand, que ce soit des téléphones, des smartphones, des PC, des tablettes, des bijoux, des maquillages pour les femmes, des accessoires beauté, des chaussures, bref, on vend vraiment de tout. Et c'est des marques, notre devise à nous, on est vraiment anti, mais anti-contrefaçon. Il n'y a vraiment pas de contrefaçon. Si vous trouvez une paire de chaussures Adidas, Nike, sachez que c'est la vraie. Sachez qu'il n'y a pas de contrefaçon, que c'est vraiment le vrai produit. المنتوج الجزائري اي جوميا تسوق له حتى هو on aimerait vraiment d'ailleurs oui il y a Condor on est avec Condor il y a pas mal de produits algériens oui on est voilà on essaie de trouver des fournisseurs algériens qui peuvent nous on est une porte ouverte on est ouvert à toute opportunité que ce soit algérien que ce soit mais on aimerait bien que ce soit notre pays vraiment l'Algérie طيب ياسمين إذا قلنا المواطن كيطلب مثلا يطلب منتوج معين وهذاك المنتوج يلحقه للدار بلا ما يتعب بلا ما يشقى إلى آخره، بصح في المقابل كاين أن ترافاي دو توتين إيكيب، كاين خدمة بزاف راهي خدمة وتعب ربما كبير راهو يندار قبل ما يلحق هذاك المنتوج للمواطن الجزائري. Tout le monde a une part de responsabilité pour satisfaire le client, que ce soit le service marketing, le service client, que ce soit le content, les vendeurs managers, vraiment même, alors là les livreurs qui font la navette à chaque fois, oui c'est fatigant, mais c'est bénéfique quand on voit oui, que ça avance un peu, que ça avance en Algérie, nous ça nous fait plaisir. طيب ياسمين عندما نشوفك يعني شابة صغيرة ما شاء الله وعندك هذا الحماس خاصة في العمل في هذا الميدان اللي كما نقولوا جديد في الجزائر صح نشوفوه في أوروبا وفي البلدان الأجنبية يعني تقريبا يشروا كل منتجاتهم وهما في البيت في الجزائر والفنان دي بلاسي والفنان في الشوبينج ايتو ياسمين هل هذا الميدان دخلته يعني حبا في هذا الميدان ولا دخلتيه صدفة وش تعلمتي منه وش علمك هذا العمل بالذات؟ j'ai fait du marketing et j'ai toujours été en admiration par le e-commerce, la vente en ligne. Ça a toujours été une admiration, c'était vraiment un amour pour ce métier. Et voilà, je voulais découvrir ce métier, découvrir comment ça marche, comment ça fonctionne. Et j'ai vu qu'en Algérie, c'était nouveau, certes, c'est tout nouveau, mais c'est vraiment fascinant, c'est vraiment fascinant. Donc voilà. إذا قلنا ياسمين يعني وشني هي ربما الميساج اللي تقدر تفوتو للشاب الجزائري ولا الشباب الجزائريين ككل في كل مشروع يدخلوا ليه. Moi, ce que je peux dire à tous les Algériens, c'est de croire à leurs rêves.
C'est-à-dire, s'ils ont un but précis, qu'ils n'abandonnent pas, ils essayent, mais ils essayent à tout prix d'essayer de conquérir leur rêve. Parce que voilà, moi je voulais faire du e-commerce, c'est ce que je fais en ce moment. Voilà, on a cru, même Jumia a cru à notre rêve. Mohamed Twil, notre responsable, le directeur général, a cru en allant à l'Algérie, a cru au e-commerce en Algérie. Et voilà, on se retrouve maintenant 6 mois après avec une quinzaine d'équipes. Et voilà, ça avance, on conquérit 41 wilaya déjà. Donc voilà, que du bonheur. ربما مستقبل الاقتصاد الوطني ومستقبل الجزائر بصفة عامة هي واحدة من مسؤولياتنا احنا كشباب احنا كجيل يعني رانا جايين يعني ربما نقدروا نتحملوا شوية من المسؤولية باش نمدوا ربما الصورة اللي لازم نمدوها للجزائر سواء في الخارج ولا هنا في الجزائر Je suis totalement d'accord avec vous. On doit impérativement changer l'image de l'Algérie, qu'on est tous anciens. Non, l'Algérie peut se moderniser, voilà. Elle doit se moderniser, elle doit découvrir des choses. Le e-commerce en fait partie, que ce soit le e-commerce ou autre chose. Elle doit vraiment se moderniser et ouvrir les portes à tout autre travail. Merci Yasmine. شكرا على الحضور إذا مشاهدينا الكرام كانت معنا هذه الأنسة ياسمين قادوش المكلفة بالإعلام بجوميا الجزائر ترقبونا كما قلت في لقاءات أخرى من عارض ومعارض دائما على قناة بنك الهوغار تي في القناة الاقتصادية الأولى أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته